Bonjour, donc Emmanuel François, nous sommes au CES à Las Vegas. Je représente l'Alliance en Océan en tant que business developer pour l'Europe. Et je suis ici pour accompagner toutes les startups et moins startups qui font la promotion de l'offre en Océan et de la technologie en Océan. Ici, vous êtes sur le stand de Ubiant qui propose des solutions très innovantes. Vous avez d'autres sociétés qui sont présentes sur le salon comme IDRF, comme MyFox, comme Digital Airways, comme Lantic et bien sûr le stand en Océan. Très brièvement, la technologie en Océan, qu'est-ce que c'est? C'est un protocole radio standardisé, un standard mondial qui est porté vraiment par plus de 400 fabricants et avec plus de 2000 produits interopérables. Cette technologie a la particularité de pouvoir être alimentée par des solutions autonomes, c'est-à-dire c'est sans fil et sans pile. Il y a trois solutions qui ont été retenues. L'impulsion, vous voyez, ça c'est un générateur d'énergie et qui permet donc de générer assez d'énergie pour alimenter par exemple une télécommande ou un interrupteur. Ensuite, vous avez le photovoltaïque. Le photovoltaïque permet avec une petite capa de stocker de l'énergie et de la restituer et d'alimenter n'importe quel type de capteur, que ce soit un capteur de luminosité, température. Et ici sur le stand, vous avez une démonstration très claire, un thermostat. On va dire c'est un des premiers thermostats destinés au smart home, tout à fait autonome. Ensuite, vous avez la différence de température. Ici, vous avez un générateur d'énergie qui utilise la différence de température pour ensuite alimenter un capteur et au-delà de ça même une tête thermostatique. Ici vous avez par exemple une des premières têtes thermostatiques autonomes qui peuvent piloter donc du chauffage. Je mets ma tête thermostatique, je l'oublie pour la vie, comme par exemple mon interrupteur. Voilà les trois solutions qui sont retenues aujourd'hui, qui sont promues par les différents acteurs qui portent la technologie en Océan. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce qu'on retient du salon? On retient trois choses. Tout d'abord, il n'y aura pas un protocole qui va sortir du lot dans l'Internet des objets. C'est impossible parce qu'effectivement, il y a des écosystèmes qui existent et puis on se rend compte qu'il y a des protocoles qui sont plus adaptés à des applications que d'autres. Vous avez des nouveaux arrivants comme Thread qui sont promus par Google et vous en avez d'autres plus anciens comme Zigbee, comme Z-Wave. Et chacun prend sa place. Bien entendu, vous avez EnOcean qui est également un protocole incontournable. Ce qu'on peut simplement dire, c'est qu'en 2015, il y a 3-4 facteurs qui vont pousser certains protocoles et qui vont en éliminer d'autres. Ces 4 facteurs sont l'interopérabilité. C'est-à-dire que les protocoles fermés, propriétaires, sont amenés à disparaître progressivement. Ensuite, vous avez la sécurité. Et ça, c'est très important. À partir du moment où on rentre dans des marchés de masse, la sécurité va être primordiale. Et quand on dit la sécurité, c'est-à-dire que quand j'appuie sur mon interrupteur, il ne faut pas que le voisin puisse écouter la trame et la reproduire pour ensuite piloter mes volets roulants ou ouvrir mon potail. D'accord ? Donc la sécurité du protocole va être clé et va être aujourd'hui mise en avant par tous les fabricants et même par les gouvernements. Je pense que d'ailleurs au niveau de la Comité européenne, il y a une loi qui est en gestation pour justement légiférer et régler la sécurité. Donc la sécurité, deuxième point. Le troisième, c'est le energy harvesting, c'est-à-dire l'autonomie. La pile va devenir de plus en plus un problème. Ce n'est pas un problème quand on n'a que 10 capteurs ou 10 émetteurs dans une maison. Mais quand on commence à avoir 100, 200 capteurs dans une maison, on parle de 500 objets connectés dans une maison à terme. Vous imaginez 500 objets, ça veut dire qu'on va changer les piles pratiquement, pas tous les jours, mais tous les deux jours. C'est impossible. Donc
Donc la pile va devenir un problème et donc il faut des solutions autonomes. Et Enocean répond à cette problématique puisqu'on a des solutions autonomes. Ensuite, bien entendu, il faut des écosystèmes et des solutions globales. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut des applicatifs qui répondent aux problématiques du chauffage, de l'éclairage, de la gestion des personnes. Et là aussi, il faut donc des solutions larges qui couvrent toutes les applications. Il faut arrêter de penser un capteur pour une fonction. Il faut un capteur pour plusieurs fonctions. Si par exemple, là j'en ai pas là, mais je prends par exemple ce contact de fenêtre. Ce contact de fenêtre, il va être utile bien sûr pour gérer mon chauffage, mais il va être utile aussi pour envoyer une alarme. Il va être utile pour allumer la lumière si je veux allumer la lumière. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, le capteur, il doit être multifonction. Et ensuite, ça veut dire qu'il faut qu'on ait des applications qui puissent gérer à partir d'un capteur différentes fonctions. Par exemple, un détecteur de présence, il va pouvoir agir sur le chauffage, sur la lumière, sur les stores, sur la présence, sur l'alarme, etc., etc. Et ça, c'est important à partir du moment où on a des profils applicatifs qui sont reconnus par les différentes plateformes applicatives qui portent ces solutions. Et vous allez me dire maintenant, mais bon, c'est génial cette technologie, mais où est-ce qu'on la trouve? Est-ce que c'est vraiment répandu dans le résidentiel, dans le smart home? Je vais vous répondre. Hier, enfin, Enocean est un standard incontournable dans le tertiaire. Dans le tertiaire, dans les bâtiments tertiaires, si vous allez dans des tours à la Défense, partout, vous trouvez du Enocean. Aujourd'hui, avec les nouveaux acteurs qui sont là, notamment sur le CES, vous avez donc toute une palanquée de produits qui concernent le smart home et qui arrivent sur le marché. Ils sont arrivés déjà en 2014 et maintenant en 2015, c'est des produits qui sont industrialisés et qui vont être distribués en masse bien sûr par l'e-commerce, par Domadou. On va les retrouver aussi en grande distribution, prochainement chez Boulanger, chez Castorama, chez Leroy Merlin, à la Fnac. Porté par des partenaires comme MyFox, comme Depflex pour le Roi Merlin, etc., etc. Vous avez des nouveaux acteurs aussi comme Smart Home International, fournisseur de Castorama pour la Blissbox, qui ont résolument intégré Enocean dans leur offre et qui vont pousser ces solutions à partir du premier trimestre 2015 sur le marché français et sur le marché européen. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'Enocean arrive en masse dans le smart home et c'est la vraie révolution, elle est maintenant en 2015 avec des produits designés et des prix adaptés. Voilà, merci.